Le duc de Sussex aurait insisté pour que Meghan le rejoigne à Balmoral, avant que Charles n'appelle pour dire que ce n'était pas approprié, ce qui, selon des sources, a retardé son voyage en Écosse en raison d'un vol manqué de la RAF. Le prince Harry aurait snobé une invitation à dîner avec Charles et William à Balmoral après que Meghan ait été interdite de rejoindre la famille royale le jour de la mort de la reine. Le duc de Sussex a insisté pour que Meghan le rejoigne, avant que Charles n'appelle pour dire que ce n'était pas approprié, selon des sources. Il est entendu que Charles pensait que dire au revoir à Sa Majesté devrait être limité à la famille la plus proche car Kate, maintenant la princesse de Galles, n'était pas présente. Le différend aurait retardé son arrivée en Écosse car il a raté un vol de la RAF pris par son frère William, le prince Andrew et le prince Édouard. On aurait dit à Harry de faire ses propres préparatifs de voyage et il a finalement atterri à Aberdeen sans la duchesse de Sussex à 18h35, quelques instants seulement après l'annonce publique de la mort de la reine. Il aurait également refusé de dîner avec le roi, la reine consort et le prince William ce soir-là, rapporte le Sun. Une source a affirmé que Harry était furieux et que son refus de dîner avec son père et son frère était considéré comme un gros camouflet. Cela vient après que Charles ait insisté pour rencontrer Harry et Meghan avant leur audience avec le souverain malade, selon le nouveau livre royal The New Royals, Queen Elizabeth Legacy and the Future of the Crown de Cathy Nicholls. On prétend que les Sussex étaient en retard pour la conversation maladroite et Charles n'a eu que 15 minutes avec le couple de Jet Set avant de devoir partir pour le Royal Monday Service au château de Windsor. Bien qu'il soit rapporté que le père et le fils se saluaient chaleureusement, il y avait encore des moments de tension qui laissaient la duchesse de Cornouailles de l'époque sans mots.